Bonjour les gens, et bienvenue dans ce petit stream improvisé du jeudi fin de journée. J'avais un petit peu de temps, et j'avais envie d'avancer mon run dans XCOM Chimera Squad. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Salut Claman sur le chat. Alors, ma dernière sauvegarde, c'est celle-là. Est-ce qu'on en était? Salut Siaim! Pia, j'ai pas assez de renseignements pour acheter quoi que ce soit. Équipement militaire du Phoenix. J'ai pas de thunes. J'ai 10 dollars, ça va être tendu. Y a personne qui a l'entraînement là. Faudrait quand même que j'envoie quelqu'un à l'entraînement. Je pourrais t'envoyer toi, ce qui serait pas une mauvaise idée. Et autant le faire là. Être relativement bourrin comme mission, la prochaine que je vais faire, mais bon, c'est pas grave. Assemblage 7 tours. Toi, t'es déjà en mission spéciale. Donc ici, c'est le bordel. Je peux pas y aller encore. Là, il fait chaud aussi. Mission tombée du ciel. Les ennemis ont réussi à mettre là. Hein. Ok, vas-y, on va aller faire ça, tomber du ciel. T'as pas d'amélioration, toi. Voilà qui me convient que très peu. Qui c'est que j'ai envoyé? C'est toi que j'ai envoyé te former, hein. Écoute. Voilà. On va faire ça et tu vas donner ton matos à... Gunpowder, carte d'accès automatique, munitions. J'ai pas vraiment utilisé les grenades encore avant. Tout le monde a une munition traçante là? Tout le monde a les munitions traçantes. Ok. Ah, vas-y, c'est parti, hein, en route. C'est parti, tombé du ciel. Voilà. Affrontement prévu 2. Allez, en route. Allons chercher la merde des bandits. C'est des vilains. L'ennemi se regroupe autour de l'appareil. Alors, infiltration. Porte principale, meilleure pour la fin. La dernière unité entrée par ce point ne pourra pas manquer sa cible. Dégâts plus 3 pendant l'infiltration pour la dernière unité rentrée par ce point. Ok, donc dernière unité, on va mettre quelqu'un qui fait très mal. Je vais probablement mettre Axiom. Toi, tu vas rentrer en première. Ensuite, on va te mettre toi. Voilà. Et toi, tu rentreras en dernier. Infiltration, infiltration! Infiltration, infiltration. Bien sûr, infiltration. Alors, nous avons un dominateur 72. Colosse. Soldat en alerte. En alerte aussi. Oh, il y a du monde. Je me débarrasserai bien de lui, là. Allez, touche-le, s'il te plaît. Oh, magnifique. Toi, tu vas pas faire beaucoup de dégâts, donc j'aurais peut-être tendance à... Peut-être mettre lévitation, le soldat en lévitation. 3 à 5. On a mis le soldat en lévitation. Voilà. Je pourrais le buter du coup, le soldat. Ou alors je peux m'acharner sur lui aussi, ce qui serait pas mal. Toi, tu vas pas louper ta cible. 7 à 9. Qui on pourrait se débarrasser là? On va me débarrasser du Python. Parce qu'il va peut-être nous. Il va peut-être nous attirer. Je pourrais me débarrasser de toi aussi. Colosse. On va se débarrasser du Python. Ouais, ça c'est moyen par contre là. Ceci étant dit, je peux faire péter ça.
Toi, t'es en l'air. Ventilation, c'est quoi déjà? On va buter celui-là. Hein. Qui c'est qui joue après? C'est le colosse. Ouais, si je fais ça, ça va taper sur toi aussi. Alors, attendez, il faut que je mette le clavier en QWERTY. Ouais, mettre là. Je pourrais aussi me mettre là. Ah, mais ils vont tellement. Il y a tellement le risque. Qui c'est qui joue après? C'est toi. Ah. On va faire ça. Attends, t'as combien de vie toi? T'as 6 de vie. Je tire à combien moi? 4 à 6. Donc dans tous les cas, je veux pas le buter. Ouais, tire sur ce Gus là. On va s'en débarrasser, lui déjà. Ok, ça va. Ça, je m'en fous complètement. Je me débarrasse de toi. Folie du combat. Ouais. Non, pas folie du combat, stupeur. Tu vas passer ton tour. Vos pensées sont... Excellent. Je pourrais aussi tirer sur quelqu'un. Je pourrais tirer sur lui. Et 3 à 3, écoute, ça se tente, hein. Au moins, il est marqué maintenant. Là, tu passes ton tour, merci. On va venir là. C'est le colosse qui joue, cela dit. 88% de chance, je vois pas pourquoi je me ferais chier à bouger. Enfin, un point de. Ok, c'est ça que je voulais faire. Je voulais te bouger, toi. Tu tires là-dessus. Ok, c'est tout ça qui pète. Ouh, ce que je pourrais faire, c'est peut-être être un peu plus intelligent. Le mettre derrière et aller l'assommer. Arrêtez de gigoter, c'est trop tard. Histoire de choper plus de renseignements, ça me paraît pas trop mal comme ça. Et toi, bon, on va faire pareil. Non, on va pas faire pareil. On va pas faire pareil. C'est qui joue là? Toi, tu vas le flinguer, ce qui m'embête un peu en fait. Enfin, bref. Vas-y, on va tester, mais. Non, elle l'a pas flingué. Excellente nouvelle. Ce qui fait que je peux t'envoyer toi pour le sommet. On va faire ça. Je rappelle qu'assommer les ennemis, ça permet de gagner des renseignements. Ok, ça s'est très bien passé, hein. Alors, porte sécurisée. Oh, c'est pas bon ça. Blessure de l'agent probable. Écoute, on va t'envoyer toi avec Virgile. Et là, on va envoyer Axiom avec Terminal. Infiltration! En tous les cas, c'est pas superbe. Oh, il y en a un qui est juste là. Toi, t'es surpris. Un autre qui est surpris là. Oh, il y a un berserker. Oui, ça va pas être coton tout ça. J'ai envie de taper sur le berserker en fait. On va taper sur le berserker. C'est très dangereux un berserker. T'es mort? Ok. Non, il est pas mort. Non, il est mort. Toi, le colosse, ça peut être une bonne cible.
couleur est agressive aussi. Ouais, 93, c'est pas mal. Voir, j'ai le soldat. La couleur agressive, ça pourrait le faire. Bute-la, s'il te plaît. Merci. Toi, tu vas buter personne, malheureusement. 3, 5. Peut-être ça, si j'ai du pot, elle va peut-être buter le soldat agressif, on va voir. Ok, on l'a eu. Cool. Je tiens la cible. Réduisez-moi ça en miettes. On va te réduire ça en miettes, c'est pas un problème. Alors, c'est Godmother qui commence. Qui c'est qui joue après? C'est toi. Ouais, tenter de le flinguer, lui. Rassure que très peu, ça veut dire. S'il tire là-dessus, ça va faire mal. Faut prendre un risque. En même temps, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça? Je vais me placer là. Et je vais lui tirer dessus. À bout portant, j'aurai des meilleures chances de faire un critique. On va voir si ça marche. Non, il est pas mort, donc je vais prendre très cher. Mais non, il a loupé parce que c'est un soldat du XCOM, bien sûr. qui c'est qui joue après? C'est toi là-bas. Un prétorien. On va t'étourdir, toi, parce qu'honnêtement, pour l'instant. Voilà, il est étourdi. Et vu que je peux encore jouer, on va finir le légionnaire. Parfait. Là, tu passes ton tour. Quel colosse a buté là. Ah, je peux aussi aller taper sur le prétorien. Déjà, tu peux taper sur quoi d'ici? Ouais, tout simplement se matcher sur. Ah, je peux pas te taper, toi. 81. 81. Ouais. Je pourrais taper là-dessus, mais. Ou sur lui. C'est juste que si je tape sur lui. Ah, ici, ça sera peut-être un peu mieux. Le problème, c'est que s'il vient là, il va m'avoir sur le flanc, alors que si je suis là, il aura un peu moins de chance de me flinguer la gueule. 13, vas-y. Raté. Super. Je contiens la cible. Ça, c'était moche. Tu vas venir là. J'ai des tirs de merde, on va commencer à entamer ce truc là. Je pourrais venir là. On va faire le flinguer lui de toute façon. J'ai un là, je peux t'avoir, non? Non, pas toi. 69, c'est pas génial. Écoute, on va tirer sur toi du coup. Putain, mais vous loupez lui, c'est de la folie. Écoute, tu peurs toi aussi. Votre esprit, ça fait. C'est quoi tes chances de le toucher? 100%, ça me paraît bien. Il
Il va pouvoir attaquer malheureusement. Ok, il s'est buffé, ce qui me gêne pas plus que ça. Là tu vas tirer, pourriture. Mais t'as loupé. Par contre là t'es bien pour que je te chope par l'arrière toi. Ouais, écoute, tu vas venir là. Points de dégâts ou 4 points de dégâts. Alors, je pourrais lui mettre un petit smash là. Je viens gâcher la fête. Blindage plus 1. Là t'es étourdi. Tu vas continuer de tirer là-dessus, s'il te plaît. Je change d'endroit. Ok, les renforts, ça c'était pas prévu. Au pas de course. Je vais être à sec. Et je vois ça. Ça m'arrange moyen tout ça. Ouais, balance une petite grenade à fragmentation, ça veut dire. Est-ce que je peux avoir les 300. J'en doute, ouais, c'est tout le monde ou personne, quoi. Je fais combien de dégâts avec ça? 3 à 4? Ouais, c'est bof. C'est bof, c'est bof. Ou alors... Prétorien qui va jouer, après. Combien de chances de tirer sur... Ouais, ça, c'est 100%, 100%... 100% aussi. Écoute, vas-y, hein. Putain, t'es pas mort, toi. Combien d'armure, exactement? Stupeur... non, je vais mettre folie du combat sur toi. Il va attaquer son pote, lui. Enfin, j'espère qu'il attaquera son pote. Tac, le mec qui est devant. Cible en vue. Là, ça m'arrange aussi. Hein. Et tu vas tirer. Ouais, tire sur le prétorien. 3 à 5. Il a un peu trop de. Il a un peu trop d'armure, lui. Plus de ça. Duel. Je vois pas ce que t'as fait là, mais bon. Frappe au corps à corps. Ah oui, c'est pas bon ça. Ouh, tu m'as fait mal. Je couvre la zone. Ouch. Mauvaise nouvelle. Sécuriser le centre de traitement. Ok, donc faut qu'on se débarrasse d'eux quoi. Alors, ce qu'on va faire. Toi, tu vas venir là. Hors de mon chemin. Tu vas taper sur lui, là il serait temps de le buter lui. Merci. Toute l'armure qu'il avait, c'est ce qu'il fallait. Protection anti-émeute. Ouais, toi t'es en train de crever parce que t'étais sur le flanc malheureusement. Grosse erreur de ma part. Sérieusement, un critique sur lui? Ce foutage de gueule. Je sais pas comment tu m'as eu là, mais bon. Couvrez-moi pendant que je recharge. Ouais, vous êtes trois là et je sais vraiment pas comment je veux faire pour débarrasser de vous. En mouvement. Ça démarre très mal là. Tu peux plus tirer, toi. Ah, t'as plus de... Ouais, tu peux aller la stabiliser, à la limite, mais tu vas être aussi à découvert. Mes munitions filent vite.
Ok. Folie du combat, qui c'est qui joue après? Si. Allez, lâchez-vous. Attaquez vos potes là. Attaquez-vous entre vous honnêtement. Parfait. Stupeur, je pourrais faire stupeur sur toi. Je peux aussi lui taper dessus. Oui, il serait temps que je te flingue là, tu fais chier en dessous. Je protège. Ouais, on va se faire flinguer la gueule là. Oh putain, critique. Je suis presque à sec. Faites plaisir quand même. Là, je pourrais bien t'envoyer dans la mêlée là, mais c'est tellement risqué. Là, je peux te mettre là. Parce qu'en fait, ça touche aussi ceux qui sont alentours. Tu peux bloquer là ou pas? Ok, donc là, il est rentré en état de rage, ce qui fait que j'ai plus de contrôle sur lui. On va se faire flinguer. Oh putain, ils sont... Oh, cette mission se passe très très mal là. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient envoyer des renforts ici. Ouais, puis là je suis bien découvert comme il faut. Du coup tu vas venir là. Je change de position. Et honnêtement, bah tu sais quoi, on va pas se faire chier là. Je lance une frag. On va utiliser notre grenade. Tu vas recharger. Je dois recharger. Ouais, ça c'est vraiment. Oui, oui, bah recharge, écoute. J'ai rechargé. Bon, celui-là a moins de. A moins de vie. Je serai bientôt à sec. 100% de chance. Vas-y. Ouais. Ouais, j'ai fait de la merde là, le fait que j'en ai eu deux qui se soient fait prendre en... sur le flanc, parce qu'évidemment les renforts sont arrivés de nulle part, ça m'a un peu pourri. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. La mission n'était pas dure, c'est juste que j'étais mal placé au mauvais moment. Ok... Cicatrice. Les documents non scellés de ton dossier indiquent que tu aurais joué un rôle dans l'invasion de 2015. Salut Abinine sur chat. Je me demande, mais tu ne veux pas savoir. Dis-moi au moins. Tu ne regrettes rien? Mobilité moins 3. Pourquoi crois-tu que mon dossier est scellé? Ce n'est pas une réponse. Ah non, t'as pris une promotion, toi. Que tu voudrais, mais c'est la meilleure réponse pour nous deux. Virgile attaque avec son esprit infligeant des dégâts mentaux à tous les ennemis du réseau neural. Les dégâts de l'écorchage mental font perdre connaissance aux ennemis. Au lieu de les tuer. Parfait, on va pouvoir en capturer plus. Toi, on va t'envoyer en... Allez, je peux pas envoyer qui que ce soit d'autre en fait. Pollution de l'anarchie. Toi, t'as terminé ton enquête spéciale. Accueil chaleureux, 85 de crédit, ouais, ça pourrait être pas mal. Envoyer terminal du coup. Je pourrais envoyer terminal. Attends, on a quoi à faire là? Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, la semaine va passer si je fais ça. Bien qui dit au bout d'un moment on roule sur les ennemis. Bah écoute, je vais voir, mais c'est vrai que pour l'instant, pas l'impression que ça soit très très dur comparé à un X comme normal. Là, j'ai pris des dégâts sur cette mission parce que j'ai eu un problème de placement. Mais sinon, la mission en tant que telle, elle était marquée comme difficile et
Pour moi, elle était plutôt facile, quoi. Alors, soutien d'enquête, renseignement, je commence à en avoir pas mal. On se prend un peu de thunes, là. Envoyer terminal. Parfait. Localiser l'informateur. Gérut, t'as fini ta mission, c'est cool. Ça, on peut pas y aller encore. 80$ de crédit. 35 d'Elerium. Oh, t'en as pas beaucoup de thunes, donc vas-y. Ouais, la semaine va passer, je sais. Voilà. Agent inactif. Cherub, ton esprit est... Je n'ai jamais rien vu de pareil. Merci du compliment. On peut dire que je suis un clone unique? Tu dis ce que tu penses au moment où tu le penses. Tout le monde fait ça, non? Rarement. La communication demande souvent de la prudence, de l'abnégation et une mise en scène mutuellement consentie. Ça fait beaucoup tout ça. Oh oui, Torque. Je préfère dire ce que je pense et m'occuper des choses sérieuses. C'est-à-dire? Le lever du soleil, les gaufres, rire, la fumée du bois. Tu sais bien quoi, la vie. Je commence à mieux te comprendre. On va améliorer ça. J'ai l'agitation dans le quartier. Je pourrais aussi faire... Ouais, je pourrais aussi faire ça. Isdelerium. Vas-y. Je pourrais encore t'améliorer. Et voilà. Réduit l'agitation, quartier de 1. Si un équipeur est déployé dans le quartier, un bonus de 1 est ajouté par niveau. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Pour faire des récompenses des situations supplémentaires. Je peux pas le faire, ça. Et ça, je peux pas le faire non plus. Rechargement 4. Bien. L'autre est déjà en mission. Armurerie. On va te déséquiper, toi. Bon, on va te redonner tout ce qu'il faut. Point de vie en plus, ouais. Mission traçante. Vas-y. On a des munitions traçantes là, moi ou pas? On a des munitions traçantes, c'est déjà ça. On a bien changé pour pouvoir améliorer les armes aussi, parce qu'elles commencent à être un poil périmées. Hein. Vas-y, on va les faire, on va les faire, on va les faire. On va les faire. Cible recherchée. 40 d'Elerium. On va aller faire celle-là. Hein. Qui est inactif? Bah, je peux rien faire avec toi. Écoute, il y a un agent inactif, tant pis, on va faire avec. C'est pas la fin du monde. Les forces hostiles ont besoin d'un dirigeant. Si la directrice vous y autorise, vous devrez peut-être... Allez, vas-y. C'est parti. Présence du VIP hostile confirmée. VIP hostile. Ok, on a beaucoup d'entrées, mais visiblement... Ah oui, on va pas avoir le choix. Les tirs qui touchent les ennemis se transforment en coups critiques, donc ça on va mettre Godmother. Les ennemis touchés par vos tirs pendant l'infiltration sont étourdis. Les ennemis qui touchent les ennemis se transforment en coups critiques. Qui c'est qui fait mal sinon? Avec ta mitraillette, je crois. La mobilité de toutes les unités entrant dans la zone augmentera de 3. On va mettre Cherub. Et ici, on va mettre Virgile. Le problème, c'est qu'on risque de se prendre des dégâts. On s'infiltre! On s'infiltre.
On s'incruste, pas on s'infiltre. Parce qu'ils vont nous voir débarquer là. Ouais. Alors, nous avons un paladin. Et qui c'est Godmother là qui veut tirer? Si ça a un coup critique. Ouais, le soldat non. Koulov non plus. Paladin, ça me paraît bien. Alors, j'ai un berserker là-bas. Je pourrais faire l'éviter. Python. Vas-y. Ah, t'es pas mort toi. Ok, bah écoute, on va te tirer dessus. J'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Toi t'es là-bas, toi t'es là. Ouf. Ok, 4 dégâts, 3 dégâts, fantastique. Le fait qu'il y ait un berserker, je suis vraiment pas fan. Terrasser la cible. Ok. Je pourrais démarrer avec une grenade, mais ça serait peut-être un poil abusé. Allez, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va venir là déjà. Lui, j'ai peur qu'il défonce le mur, mais bon. On sait jamais, avec un peu de chance, il va faire le tour. Là, tu vas mourir. Merci. Je me déplace. Ouais, ça, je suis pas fan, par contre. Pas point de dégâts. Fâcheux. Eux, ils ont pris des dégâts gratos, là. Hé hé, loupé. Alors, qui c'est qui joue après? C'est le Berserker, justement. Oh, le Berserker, on pourrait faire une petite feuille du combat pour qu'il aille attaquer son pote, là. L'ennemi vous encercle. Ça pourrait être très rigolo. Va attaquer ton pote, qui est là. Ou le civil, c'est pas très grave. Je vais lui taper dessus. Essayer de buter la couleuvre aussi. Ah putain la couleuvre. On aime bien laisser un point de vie aux ennemis en ce moment, c'est notre grande nouveauté. Non, passe pas à travers le mur. Cool, merci. Oh, t'es bien protégé, donc écoute. On va assommer celui-là. Vous devriez vous allonger un peu. J'aime pas ça. Ok, tu l'as loupé, heureusement. Toi, tu vas mettre un bouclier sur notre ami qui est là. Parce qu'il va s'en prendre plein la gueule, là. Hop, chargé. C'est quoi ça déjà? En place. Fais pas de. Ça la somme pas, hein. 54, 43. Ouais, c'est un peu naze, ça. Qui c'est qui joue après? Là, tu vas jouer dans pas longtemps. Ceci étant dit, j'ai encore. Ouais, Godmother, elle va pas pouvoir l'atteindre d'ici. Honnêtement, je pourrais lui mettre une frappe chargée à lui. Vas-y, pour le fun. Tu croyais l'avoir ? T'es en garde, ok, intéressant. Là, tu peux tirer sur personne. Si je te mets là. Un 15% de chance de tirer sur toi, 73 sur toi. On va prendre le tir à 95.
tellement stylé les berserkers. Ouais, dégâts plus 2. Oh, un critique en plus. Tellement abusé ça. On peut même plus s'amuser là. Je pourrais faire folie du combat, mais j'ai peur qu'il attaque elle en fait. Après, je peux aussi me mettre là. Et tirer sur le berserker. 99, ouais. Si tu le loupes là, je veux vraiment faire la gueule par contre. Ici. Écoute, tu vas venir là. Hein. Gardez-moi rampé. Vite et bien. Je déconne avec Cherub, mais en même temps, bon. En même temps, j'avais envie de voir son pouvoir là. Ok. Honnêtement. Il vient là et tire lui dessus. Ou pas. Bah écoute, une vigilance, hein. Je reste sur mes gardes. Laisse-moi un peu. Quoique. En fait, je devrais faire ça. Et je le ferai pareil avec lui là-bas. L'ennemi est toujours debout. À maîtriser ça là. De petits coups de batte, ça fait du bien. L'ennemi est en état d'arrestation. C'est tout, c'est ça la mission? Ok, bah, par le fait que j'ai déconné avec Cherub, c'était pas très très dur. Ce que j'aime bien avec ce spin-off, c'est que les missions sont assez courtes. Et vu que parfois j'ai pas non plus des heures et des heures, c'est plutôt sympa parce que même si tu la foires, du coup, tu sais que quand tu vas recommencer, tu vas pas devoir recommencer une mission qui dure 30 ou 45 minutes, quoi. L'anarchie de la ville a augmenté jusqu'à 5. Ok, c'est fâcheux. Agent inactif. Promotion prête. Si, mais je peux rien manger du tout. Pas même ma fameuse salade aux œufs. Alors, Cherub peut désormais stocker 3 charges et gagne des points de M, des PM, bonus à chaque charge complète. Vous faites chier à parler pour rien dire, les mecs, c'est vraiment casse-pied. C'est délicieux, nutritif et parfaitement digestible, d'où que vous veniez. Même pour moi? Bien sûr, mon cher. Okay. Les Not Dogs sont bons pour tout le monde. Que vous veniez alors. De terre ou de l'espace, nos Not Dogs réjouiront les plus voraces. Je veux un Not Dog. Moi aussi. Mettez-moi 3. Oui, t'avais rien, toi. Les espèces signataires des accords de 2036. Mettre les extraterrestres ne doivent pas consommer plus d'un paquet de Not Dog par semaine sans l'autorisation d'un thérapeute génique agréé. Conservez votre... Ah, une crosse, ça pourrait être pas mal sur les... Tiens, vous allez parler combien de temps, là, sérieusement? On peut pas couper les voix. Je crois que je vais vraiment couper les voix dans le jeu, parce que ça devient assez agaçant. Abilene qui dit que Godmother obtient un pouvoir bien dévastateur à la fin de sa progression. Bah écoute, je verrai. Alors, j'ai un peu plus de thunes. J'ai 90, j'ai pas non plus la fête là, mais... Cross, chargeur amélioré. Je vais prendre une cross et c'est tout. Parce que j'ai pas beaucoup de thunes. Vas-y. Voilà. Toi, on va te mettre ça. Toi, t'as déjà ce qu'il faut. T'as ta carte d'accès automatique, tu vas la filer. Mission traçante. T'as déjà une carte d'accès automatique, toi aussi. On va te la filer à toi. Hein. Tissu.
Ouais, bonus d'esquive, vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Alors, toi, t'es encore en mission une semaine. Après, je t'enverrai te reposer. Écoute, on va aller en ville. Je vais peut-être sauvegarder aussi. Histoire d'arrêter de sauvegarder lorsque je quitte le stream. Mais... sauvegarder en plein stream, ça peut être bien aussi. Donc là, c'est encore le bordel. Bah, j'ai pas trop le choix. Je peux aller faire ça. 55 de renseignements, oui, j'en ai plus. Le Phénix Gris enlève des spécialistes extraterrestres. Ingénieurs, scientifiques et techniciens. Mettez fin à ces enlèvements, afin que ces gens puissent retrouver leur famille. Ouais, ouais, je sais. C'est la mission que j'ai acceptée. Pour de paye, marché des pillards ouvert. Alors... largeur améliore, supérieur, système de visée. J'ai bien envie d'acheter ça, le problème c'est que j'aurais plus de renseignements du tout après. Après augmenter la taille du chargeur, c'est quand même cool. Système de visée. Là c'est bien aussi. C'est moins cher. On va prendre ça et on va le mettre sur... où est-ce qu'elle est? Sur toi. Cross. Auto-chargeur avancé. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut une cross? Non, je vais te la mettre sur toi, histoire de... mais... alors, on a deux agents inactifs, toi t'as terminé ta mission, on a avec des crédits en plus. Du coup, je vais t'envoyer te soigner. Forme physique... ah, je vais pouvoir te débloquer d'autres trucs, c'est intéressant. Déjà, on va aller te soigner. 85 crédits, renseignement... plus une équipe de terrain. Pas mal, ça, si. Après, ça coûte à peu près ce coup-là, et... vas-y. On va envoyer Axiom. Pas ultra fan d'Axiom, hein, au final, c'est... le smash, c'est rigolo, mais... au final, c'est tellement dangereux. Ok, il va falloir aller faire ça. Ah, vas-y, hein, c'est parti. Les forces hostiles se sentent submergées. Elles peuvent tenter de sauver les meubles de manière spectaculaire. C'est dommage qu'on puisse pas vous renommer, vous. De déclencher une bombe à votre approche. Dans tous les cas, arrêtez-les. On va les arrêter. Mission qui fait avancer le scénario, visiblement. Ce club était au centre d'un trafic d'extraterrestres. La police locale n'a jamais découvert qui était à sa tête. Le Phénix Gris est sur place. On pense qu'ils viennent effacer les preuves de leur implication. Faites en sorte qu'ils n'y arrivent pas. Ça marche. J'adore punir ceux qui tiennent les autres en laisse. Alors, mode infiltration. Esquive plus 50 pendant un tour pour toutes les unités entrant par ce point. Les tirs qui touchent les ennemis se transforment en coup critique. Donc ça, j'aurais tendance à mettre Godmother qui va faire des gros dégâts. Défense plus 25 pendant un tour à toutes les unités entrant par ce point. Virgile, ça pourrait être bien. Esquive plus 50... les ennemis touchés par vos tirs pendant l'infiltration sont étourdis. On va mettre ça sur Torque. Et chez UBC. On s'infiltre. Ok, déjà l'infiltration est plutôt positive. Infiltration subtile, comme d'hab. Alors, nous avons un Python. Nous avons un Prétorien. Nous avons une couleuvre, un autre python. Ah non, c'est les mêmes. Bah écoute, on va tenter de buter la couleuvre, espérant que j'y arrive. Merci. Salut Master Phoenix sur le chat. Oh,
Oh, je t'avais pas vu, toi. On va tenter de buter le python. Voilà, je lui critique, mais il est pas mort. Il se tasse. Ouais, tire là-dessus. Surprise, surprise. Alerte. Je sais pas si on peut les mettre en lévitation. Ouais, on peut pas. Hein. Toi, par contre, je peux. Aussi te tirer dessus. Chose, je pense qu'on va faire ça. On va rester bien planqué. Ok. Alors, on va mettre un bouclier sur. Sur Virgile. Il est relativement fragile, Virgile. Et on va continuer. Je pourrais taper sur le légionnaire. On va continuer de taper sur le prétorien. Uniquement le prétorien est plus dangereux. Me fais discret. Loupe ton tir, toi. Tire sur lui. Loupé, ce qui m'arrange. Je pourrais venir là. Attends, est-ce que je peux te tirer d'ici? Ouais, je peux le voir d'ici, je pense. 86% c'est respectable. Excellente nouvelle. Attends, il va falloir bouger ailleurs. Le fait qu'il soit derrière la porte, là, ça m'arrange peu. Je peux te tirer dessus d'ici. Ah non, c'est lui. 57, c'est un peu de la merde. Viens plutôt ici pour tirer sur l'anonyme. Ah, viens là. Ah, tu peux pas tirer sur l'anonyme. Ok, bah, mets-toi en vigilance, hein, écoute. J'ai l'avantage sur eux. Il va se ramener lui donc. Non, oh, il fait le tour. Mais je l'ai quand même touché. Ok. T'as réussi à me toucher d'ici, ok. On n'a pas pris trop de dégâts. Virgile. Juste un bouclier. Oh, 5 points de dégâts. J'ai une chance de le toucher, lui. Où tu l'as. Attends. D'abord, toi, on va t'étourdir. Votre esprit s'affaiblit. Étourdi 1, ouais, ça va pas changer grand chose. On va tenter de buter lui, mais bon. Et c'est bien ce que je pensais, ça allait pas suffire. Chérub. Chérub, tu vas venir là. Tu vas tirer sur Sandouille. Et il est plus assommé, lui, malheureusement. Ça, ça m'est égal. Alors, toi, si je te mets là, est-ce que tu peux le toucher? Je vais te mettre là. On va voir si t'arrives à le toucher. 85? Ah oui, bah ça me va, 85. Là, tu vas venir l'assommer. Mettons genre là. On va le capturer. Vous devriez vous allonger un peu. Ok, premier affrontement sur 3. Vous approchez d'une zone VIP. Mais pas comme les nôtres. Des vrais VIP, hein? Sans euphémisme. Aucun signe d'épreuve? Pas que je sache.
Si je vois quelque chose, je vous préviens. Ok, infiltration. Ça va être moins fun. Ceci étant dit, je peux passer par le mur et faire une entrée explosive. La dernière unité à entrer par ce point se mettra automatiquement en mode vigilance. Ok. Alors, toi, on a de la chance, on a un explosif. Toi, tu vas rentrer. Chérub, et on va mettre tout en mode vigilance avec ta mitraillette. Je perce une autre entrée. Pourquoi est-ce que je rentrerai par la porte principale pour me prendre des dégâts si je peux faire exploser un mur? Ne pas prendre de dégâts. Alors, dominateur surprise, python surprise, prétorien surprise, alerte couleuvre. On va essayer de buter la couleuvre, 3 à 5. Oui. Bute-moi ça à toi si tu peux. Excellent. On va se concentrer sur le python. Et je vais l'achever avec, avec notre ami la couleuvre. Ah vas-y, bute-le moi. Parfait. Donc Torque est en vigilance et en plus elle a un bon angle de vue là. Oh, il faudrait que je fasse péter ça. Surtout bouge pas d'où est-ce que t'es à toi. Que je fasse péter ta couverture. Ok, il y a du monde. Je suis prête à les recevoir. Arrêtez le preneur d'otage. Bon soutien. Alors bien. Ça peut être bien. Bon, on va t'assommer. Histoire que tu passes ton tour déjà. Et on va faire. Péter ça, parce que lui, ça va lui faire des dégâts. Je vois pourquoi je me priverais. Pas toucher l'otage, normalement. Hein. J'espère. Non, c'est bon. Il est à la limite, l'otage. C'est bien ce que je pensais. Plutôt, j'ai eu du pot. Là, il n'y a personne, donc j'aurais tendance à venir ici. Je change de position. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça c'est dangereux. Il tire dessus. 3 de dégâts, c'est pas la fête. Tu vas faire quoi, toi, exactement? Tu vas venir là, je vais m'acharner sur le sur lui là. Si étant dit, toi là-bas je pourrais peut-être t'avoir. 77 c'est pas trop mal. Ouais voilà, excellent. 77% c'est pas un mauvais tir. Ouais, toi t'es mort, dommage. Il est en panique le VIP là. Je peux pas sortir. Tu vas venir là, toi. Je suis en route. C'est possible sans tout péter. Tu pouvais pas agir, je t'ai fait bouger en sprint. Écoute. C'est quoi ça déjà? Surcharge mentale. C'est pas ça que je veux faire. Je peux t'avoir d'ici, non? D'accord, ok, j'ai compris. Donc c'est pas pour tout de suite, ça. On va te tirer dessus, toi. Il n'est plus étourdi, malheureusement. Donc là, je vais me prendre une... Je vais me prendre une petite droite, malheureusement. 5, ça fait mal.
Au moins, il a pas tout fait péter. Toi, tu vas venir ici. Ou en fait, non, tu vas venir là. Je me déplace. Ne t'éloigne pas, d'accord? On peut le flinguer, lui. Écoute, on va le faire. Hein. Ah, 2 à 3. Ah, vas-y, on va l'avoir. Hein. Non, évidemment, parce qu'on a fait 2. Et je vois ça. J'aurais dû le buter. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais pas ce que tu fais. Bon, tu... parce qu'il y a ça, donc ils sont en train de bugger, là. déjà on va te mettre un bouclier toi. Et essaie de me buter cet abruti. J'aurais bien voulu le capturer, mais bon, visiblement il se rajoute de l'armure à chaque fois donc. On va venir là. J'ai un bon point de vue sur l'autre zouave qui va sortir dans pas longtemps. Essayer de se placer petit à petit là. Allez, viens là toi. Et recharge. Je suis prêt à tirer. Toi tu vas venir là, tu vas recharger aussi. Et rechargement gratos. Ouvre la porte pour voir. Et après si, ouais, j'aurais un peu peur de flinguer le... on va mettre ça, écoute, au cas où. Je verrouille les ennemis. Merci. Il finit par sortir. Il va nous mettre une petite claque par contre là. Ah c'est ça, tape Godmother. Tape celle qui a un bouclier. Ça m'arrangerait beaucoup. Voilà. Ça c'est une excellente nouvelle. Chérif, il a 2 points de charge là. Techniquement je peux te flinguer. J'aimerais bien le capturer. On n'aura pas capturé. Ça bouge dans le parking. On dirait qu'il remballe. L'ordinateur portable est bien gardé. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Ces preuves, elles peuvent nous conduire là où ils retiennent les extraterrestres, exact. C'est ce qu'on espère. Bien. Une famille, ça doit rester ensemble. Mode infiltration. La dernière unité à entrer par ce point ne pourra pas manquer sa cible. Oui, bah ce serait peut-être mieux de rentrer par là en fait. Après je pourrais... Non, personne à ça. Personne à quoi que ce soit, donc on doit rentrer par là. La dernière unité à entrer ne pourra pas manquer sa cible. Donc on va faire ça. Ça. On va mettre Godmother à la fin. Infiltration en cours. Malheureusement, on va se prendre des dégâts dans la gueule. Ouh, il y a du monde là. Surprise, surprise. Agressif légionnaire. Vas-y. On a tendance à taper d'abord sur le légionnaire agressif là. Mort. 3 à 4, la couleuvre. Mute-la, s'il te plaît. Merci. Toi, tu peux pas manquer ta cible. 4 à 6. Ouais, dominateur. Mais tu lui as fait que 4 points de dégâts. Raté. Ok, cool. Priorité, se débarrasser du dominateur avant qu'il nous contrôle quelqu'un. Oh, il y a du monde ici. Voilà les preuves. Ne les laissez pas effacer les données.
Ok, donc faut pas qu'il supprime les fichiers. Ah bien. On va venir là. La 73, c'est pas génial. Viens là. Je vais ramper. Ouais, rampe, rampe. Surveille tes flancs. Ça me plaît pas trop ça. On va faire ça comme ça. Avec un peu de chance, il va bouger lui. Non, il bouge pas. Il bouge pas. Très mauvaise nouvelle ça. J'aurais dû y tirer dessus. Aussi, c'est une mauvaise nouvelle. Un ennemi supprimant les fichiers. Ah putain. Je pourrais venir là, mais alors si je viens là... Ah, il va se faire plaisir lui. Alors, folie du combat. On va mettre ça sur toi déjà. Avec un peu de chance, il va attaquer. Elle va attaquer le Dominateur. Excellent, c'est ce que je voulais. Comme ça, lui, elle est plus contrôlée. Et on va tirer sur. Qui joue après? C'est toi? On va t'étourdir, mec. Pas spécialement envie que tu joues en fait. Une couleuvre là. 42%. D'après bien la couleuvre honnêtement. Vas-y, si tu pouvais la toucher. Bien joué. Ça c'est cool. T'es pas étourdi malheureusement. Un point d'armure. Il va falloir se débarrasser de lui. Tu repousses l'ennemi ou pas? Alors déjà, bouclier cinétique sur Godmother. Protection périphérique. Et tu vas tirer sur... Ouais, ça va être à lui de jouer après. Oh, il y a toi aussi. Toi, tu vas être chiant en fait. Je suis protégé. Voilà. Ça, si c'est Godmother qui se prend un coup. Ok, ça c'était pas cool. Bonne nouvelle, c'est qu'on s'est pas tous pris des dégâts. C'était moyen, très moyen. Cherub, ok, en voilà une mauvaise nouvelle. Ça va pas du tout, ça. Toi, crève déjà. J'ai bien pété la caisse là, le problème c'est que moi je suis là-bas aussi. Et j'ai plus beaucoup de vie. C'est pas bon là, ça commence pas bien du tout cette mission. Viens là. Je peux faire ça sur le prétorien, ouais c'est cool. Vous, venez là. On va te bloquer. Parfait. Ça, c'est une bonne chose. On va faire une folie du combat sur toi. Comme ça, tu vas l'attaquer. Attaquer le reptile. Enfin, j'espère. Voilà.
Voilà. Donc tu vas relâcher notre ami. 100% de chance de te toucher. Et toi aussi. Ok, Sherub est libre, mais Sherub n'a pas beaucoup de vie en fait. Donc, tu bouges pas. Toi, tu vas te mettre un bouclier. Yep. Je surgis et je bloque. Et tu vas faire une frappe chargée comme ça. Oh, j'aurais dû l'assommer. Ah non, je peux pas avec lui. Arrestation réussie. Et ça marche aussi. Ok. Ensuite, toi. C'est un endroit qui m'arrange pas trop. 65%, c'est pas pourri, mais c'est pas génial, quoi. Il y a déjà quelqu'un. Après, ça... Sinon, je peux me mettre en vigilance. Il est pas dans la zone de la, des fichiers, donc... Là, il va avancer. Et il va crever. Donc, on n'a pas pris de blessure grave. Et on s'en est plutôt bien sorti. L'agitation du quartier Anova, moins 2, 35 de crédit. On a secouru les otages, 70 de crédit. Et 20 de renseignements. Joli travail. La population extraterrestre de la cité 31 ne craindra plus les enlèvements du Phoenix Cree. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comment tu peux être aussi optimiste? Toi, t'as une promotion. Je suis canadien. Enfin, je l'étais quand le Canada existait encore. Canadien. Ah oui, les gens au goût de sirop d'érable. Comment ça, au goût de sirop d'érable? Sans ce cliché. Un médaillon de Canadien bien grillé. Tu parles de l'art canadien, j'espère. Si on veut. Ouais. C'est très cliché et c'est pas très drôle non plus. Alors, agent spécial, venin. Torque crache une boule de poison qui explose en créant une flaque mortelle. Empoisonne toutes les unités dans la zone cible. Rechargement 3 tours. Très très bien ça pour démarrer un combat. Ouais, non, c'est dialogue à B9, je suis assez d'accord. C'est quelque chose. Toi, t'es toujours en mission. Ça, c'est toujours en recherche. Il y a peu de temps, le Phoenix Gris s'est introduit de force dans l'astroport de la ville. S'ils parviennent à lancer un vaisseau spatial, ils pourraient semer la destruction. Ok. Traquer les voleurs. Urgence, anarchie. Escouade Chimère, le conseil urbain m'a demandé de vous contacter directement pour une affaire délicate. Pour faire simple, la police locale est assez mal équipée pour gérer certaines urgences. Ouais, je vois ça. Nous avons déjà engagé des mercenaires par le passé, mais les résultats n'étaient pas probants, loin de là. La mère Nightingale nous a assuré que vous étiez là pour protéger la cité 31. Alors, prouvez-le. Vous serez d'astreinte pour les cas d'urgence où vos talents uniques seront utiles. Le conseil vous surveillera. Très difficile. Écoute, on va y aller. Nous ne sommes pas la police. Si vous voyez un voleur, appelez les autorités et continuez. Il existe cependant une exception. Très difficile, mais c'est une urgence, donc on va laisser s'en occuper tout de suite. Parce que là, c'est un petit peu le bordel dans le quartier. Le fait que ça soit rouge comme ça, c'est pas bon signe. Ennemis en mouvement avec une contrebande dangereuse. D'accord. Donc, tes ennemis ont des munitions perforantes. Ouf. Ok. La dernière unité entrée par ce point recevra un point d'action supplémentaire. Vas-y, difficile à toucher. Quoique, est-ce que c'est... Est-ce que je veux vraiment faire ça? Non. Difficile à toucher, plus pour toi. Plus pour toi aussi. Et là... Dernière unité à entrer recevra un point d'action supplémentaire. Du coup, je pourrais mettre Thor qui pourrait balancer du poison et après jouer normalement. On va faire ça, je pense. Ça va être l'occasion de tester la compétence de Thor.
On s'infiltre. Mais ouais, on s'infiltre. Infiltration, infiltration. Tu parles d'une infiltration? Défonce la porte, on rentre en faisant du bruit. Infiltration. Alors, 3 à 4. Surpris. Surpris. Ouf, il y a des ennemis balèzes là. Agressif, le python. Fort bien. Agressif, la couleuvre. 4%. Ouais. Vas-y, tue la couleuvre. Non, t'as pas tué la couleuvre. Ouais, bah, tue la couleuvre. Si. Alors, surprise légionnaire. Surprise dominateur, il a 6 points. Agressif colosse. Y'a pas un anonyme là? Je vois un anonyme ici, mais je peux pas le. Dominateur, je le flinguerai bien honnêtement. Vas-y. Oh, ça sent pas bon. Salut toxique. Vas-y. Je pensais que j'avais un point d'action supplémentaire. Pas grave. Bon, ça c'est bien là. Mettez-vous bien près de ça. Ah, il y a vraiment du monde. Sécuriser la chaîne de fabrication et empêcher les ennemis de s'enfuir. Ok. C'est pas génial tout ça là. Si je viens là, cela dit, je devrais être relativement safe. Espérant que lui essaye pas de me tirer dessus. 100% de chance de toucher d'ici, cela dit. Mais être près de ça, ça m'inquiète un peu, donc on va venir là. Je change de position. Ne traîne pas. Tu vas tirer là-dessus. Laisser un point de vie aux ennemis, on aime ça. On aime vraiment ça. Toi, t'as un point d'action supplémentaire. Toucher le soldat, je dirais pas non. Alors je peux flinguer toi. Alors venin, on peut pas lancer du venin. Ok, toi je peux peut-être avoir pour une raison mystérieuse. En avoir qu'un seul à chaque fois, c'est très très étrange tout ça. Sur qui je tire, j'en sais rien honnêtement. Toi, t'es plus tentant quand même. Hein. Vas-y. Oh, fantastique. Fantastique, ça commence très bien cette mission. Ça me rapproche. Ah, c'est ça, va-t'en. Ah non, il s'enfuit, j'avais oublié. Oui, là, je vais prendre cher. C'est ça que je voulais te buter. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. Hein. Tu me dis 74% de chance et que tu loupes. Virgile. Mettra fin au tour. Alors attends, ce qu'on va faire avant de faire ça. Folie du combat. Vas-y. Il ne s'attendait pas à ça. Attaque un de tes potes. Là. Ouais, celui-là par exemple, c'est bien. Parfait, et tu vas nous finir ce Gus. J'ai appréhendé l'ennemi. Excellente nouvelle. Rage annulé. Malheureusement, il va lui rester un point de vie, lui encore. Tourdi. Ok, donc ils sont tous en train de s'enfuir, là, ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
pourrait tirer là-dessus. Ça en fait un moins. Démolition sur qui? Oh, j'aime pas ça. Ok. Lui, je doute qu'il veuille s'enfuir, mais bon. J'aime pas ça du tout. Ok, raté. J'ai rien vu, mais c'est raté, c'est l'essentiel. Il y a ce Gus un peu réputé là. Ouais, toi, il faut que je te bute. Ça fait aucun doute, donc tu vas venir là. Pour le maîtriser, c'est 2 à 3, mais est-ce que j'ai envie de prendre le risque? Non, on va lui tirer dessus plutôt. 98. Il est mort, Jean-Claude. Toi, tu vas dégager d'ici parce que c'est pas fantastique comme emplacement et tu vas venir là. Je vais traverser. Surveille tes flancs. Il est où lui? Il est où le colosse? Ah, il est planqué, putain. Ceci étant dit... Attends. On pourrait peut-être aller flinguer son pote, mais après le problème c'est qu'il va falloir le... Je vais voir s'il peut buter son pote avant qu'il s'enfuit, ça pourrait être rigolo. Déchaînez votre frustration. Genre monte à l'étage là. Il va taper sur ton pote. Ah non, ça marche pas malheureusement. Ah! Si, non, non. Dommage, ça n'a pas marché. Euh... 65, oui, c'est un peu naze. Tu vas venir là. Je crois que c'était pas une bonne idée de se planquer ici. Mais bon, on va quand même le faire. Oh, ça c'était vraiment pas une bonne nouvelle. Par contre, rater ça, tu vois, ça pue un peu la merde là. Ah, est-ce qu'il va s'enfuir lui aussi? Ça fait deux fois que tu le rates. Il est là. Je pourrais tenter de me rapprocher. Est-ce que je peux l'avoir d'ici? Non. À aucun endroit je peux l'avoir. Écoute, on va tirer sur l'anonyme. Hein. Tu peux le toucher, s'il te plaît? Merci. Je pourrais aller le buter lui en fait. Je pourrais tenter d'aller buter le légionnaire. Vas-y. J'ai trouvé une meilleure position. Ici ou ailleurs, c'est pareil. Du coup, je pourrais l'assommer le légionnaire après. Je suis protégé. Super. Ah, je peux plus t'atteindre, toi. J'aimerais bien pouvoir toucher le légionnaire. Je ne peux pas. Écoute, on va tirer sur ce Gus. Ah, je peux faire ça par contre. Inflige dégâts mentaux.
Alors attends, j'ai peut-être une idée. Si je fais ça. Vos pensées sont liées. Voilà. Donc là il est étourdi. Et après que je fais ça, je devrais mettre des dégâts à tout le monde normalement. Vous ne pouvez pas résister. Nice. Comme ça on a eu les deux d'un coup. Ok. Au moins il a pas pu s'enfuir le dernier. Alors, blessure de l'agent probable. Les unités entrant par ce point restent marquées jusqu'à la fin de l'affrontement. Pas une bonne nouvelle, mais bon, on va faire avec. Cherub, Virgile et Torque. Infiltration. Donc on va être marqué, ce qui est évidemment pas une bonne nouvelle, mais bon. Oh, il y a un berserker. Et il y a un soldat. Ouais, soldat 4 à 6, je le pue très bien. Mets-moi le soldat. Attends, il y a quoi d'autre? Un colosse. Il y a beaucoup de monde là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Vache, il y a tout ça comme monde là. Essaye de buter le soldat. Parfait, il est mort. Surprise, surprise. On va buter la couleur agressive, vas-y, bute-la s'il te plaît. Excellent. Ça, ils sont surpris eux, donc c'est pas non plus dramatique. Buter le colosse 3 à 5. Là on a un colosse agressif que je pourrais faire léviter. Salut toxique qu'on va mettre sur toi. Toi t'es vraiment chiant à buter. Ouh, j'aime vraiment pas ta position Virgile. Ok, je comprends pourquoi il fallait buter le plus rapidement possible. Ok. Alors, Godmother. Si je tire là-dessus. Non, viens là. Ok. Ça peut être ça ou pas? Ça pète. Ah non, c'est celui-là qui pète. Ça pète pas du coup. Sérieux, je peux en avoir qu'un seul là. C'est n'importe quoi. Et quand les grenades, elles ont des portées de merde comme ça. C'est qui joue après? C'est lui, ouais. 33, ouais, on va laisser tomber. On pourrait tirer là-dessus, cela dit. Il y a quelqu'un dans le... Vas-y, fais ça. On va voir, hein. Fin de moins, tu me diras. J'ai bien entamé l'anonyme aussi. Toi, tu vas bien pouvoir crever. Au revoir. Ouais, c'était plutôt rentable, ça, je pense. Et ils sont tous en train de s'enfuir à nouveau. Ouais, vas-y. Ça me paraît bien, ça. Quoique. 55% de chance. Ouais, tu l'anonyme. Parce qu'eux, ils ont pas l'air de s'enfuir. Donc... Oh, 3 points de dégâts, bien sûr. Vraiment un flingue de dope, toi, c'est... Ça fait de la peine, quand même. Contrôle mental.
m'arrange pas, ça. Ouais, vas-y, va buter ton pote là. Tu me diras, lui va. Non, j'aurais pas dû faire ça, il va crever avec le feu. C'était stupide. C'était stupide ce que j'ai fait. Ça va être rigolo, mais c'était stupide. Après, ça l'a dit, il est dans le feu. C'est qui joue après? C'est toi? On va t'assommer. Plus étourdi malheureusement. Il m'a loupé, fort bien. Ouch. Le problème c'est le mec qui fait du contrôle mental en haut à droite là, il faut que je m'en débarrasse. Je peux m'en débarrasser. T'attends d'essayer toi. Yep. Je vais ramper. Voilà, attrape-moi celui-là. Tu vas me le bloquer. Ça, j'ai un peu peur par contre là. Oula, 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 t'avances vite toi. Ok. Priorité le berserker, je pense. Non, pas toi. Toi, oui. Ok, ok. Là, faut peut-être arrêter le foutage de gueule, par contre. Ah bah oui, un critique, bien sûr. Bien sûr, un critique. Quelle tristesse. Virgile, t'es un poil dans la merde. Hein. Le prétorien qui va se battre après. Folie du combat. Virgile, il risque de crever de toute façon, donc. On va faire folie du combat sur lui. L'ennemi vous encercle. C'est mon moment préféré. Viens sur ton pote là. Et ça. Et on va faire un écorchage mental. Céder devant mon esprit. Lui va me faire très mal. Je bouge. Viens sur qui là? Ok, loupé. Virgile, il va vraiment pas faire long feu. Relâche-le. Tire lui dessus, s'il te plaît. Dites-moi cette andouille. Oui, là, si tu l'as pas, il y a un problème. Merci. Donc toi, tu n'es plus sous contrôle mental. Par contre, il y a quelqu'un qui va mourir, là. Sauf si je mets un bouclier kinétique sur Virgile, maintenant. Je surgis et je bloque. Voilà. Et on va tirer. Je vais pas me déplacer, c'est risqué, mais on va tirer sur toi. Ah, évidemment. Qu'est-ce que tu fais là? Soit après affrontement. Ok. Pas compris. Ok, il s'enfuit quoi. Bonne infiltration. Meilleur pour la fin. La dernière unité entrée par ce point ne pourra pas manquer sa cible. Du coup, la dernière unité sera Bad Mother. Entrez, vite. D'où t'as repris toute ta vie, toi? Oh la vache, y'a du monde, hein. Là, on a un colosse, cela dit. Soldat agressif.
Soldat alerte. Piton agressif, vas-y. J'ai peur qu'il m'attire en bas, lui. Il est mort, cela dit le piton, ce qui est très cool. Écoute, toi, on va te faire léviter. Pareil que t'aimes ça. Toi, vu que tu peux pas louper ta cible, on va tirer sur ce Gus. Et, hein, j'espère que tu vas le buter. Cool. Il fallait bien que tu prennes des dégâts, toi. Il y a beaucoup de monde encore, là. Je suis pas très fan. Oh, ça, c'est une couverture comme on les aime. Les mecs, ils sont complètement à découvert. Je vois la cible. Qui est la cible? 5 évacuations ennemies restantes. Alors... Je peux tirer là-dessus. Tirer sur lui aussi. Ça va être au berserker de jouer. Je pourrais aussi lui balancer du venin. Est-ce que je peux avoir les deux là? Non, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Vas-y. Ça va pas suffire malheureusement. Du coup, on va lui tirer dessus. Torchure, mais il devrait crever de son poison. Ouais, voilà, c'est bon. C'est quand même un peu laborieux tout ça. Hein. Ouh, je vous adore là. Découvert, c'est nickel. Ah bah évidemment, non mais franchement. Le jeu, je sais pas, mets-moi ailleurs quoi. Cette tristesse. Tu vas venir. Déjà, tu vas faire un bouclier sur Virgile qui n'a plus que 3 points de vie. Et tu vas venir. Ouais, bah là. Hein. Ou alors. Non, mais si tu viens là. T'es à la merci de ce Gus là. Ah non, c'est pas bon, il n'y a pas de bonne couverture. Mais viens là, c'est la moins pire. Hein. Ah, s'ils essaient de s'enfuir et qu'ils m'attaquent pas. J'engage la cible. Ah non. Heureusement que je t'ai mis ça, toi. Ouais, Virgile, j'ai peur qu'il clamse, malheureusement. Ok, bonne nouvelle. Alors... stupeur. Mon esprit contre le feu. Étourdi 1, ouais, c'est pas génial. Je sais pas où je vais te mettre. Hein. Honnêtement, je sais vraiment pas, mec. Plus de vie, donc... Je vais te mettre là, mais... Je me repositionne. J'y crois quand même très moyennement, tout ça. Tu fais quoi? Ah, évidemment que tu vas agir. Pas. Oula, oula, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Alors, ça va être à l'anonyme de jouer après. Tu m'agaces un peu là. Ah, j'avais oublié celui-là.
vois venir là. On va être un peu proches tous les uns des autres là, ce qui est pas génial. Mais... toi tu vas mourir s'il te plaît. Ah putain, mais arrêtez de laisser un point de vie aux ennemis. Arrêtez, franchement, au bout d'un moment ça devient vraiment détestable. Si c'est ça, rajouter de la difficulté, c'est pas fantastique. Hein. Je pense vraiment avoir des armes pérables. Il fait quoi là? Ok, il s'enfuit. Non, pas toi. Ah, celui-là, viens là. J'y crois tellement moyennement à ça, mais bon, viens quand même. Vous auriez pu résister un peu. Bouclier cinétique sur Virgile, qui en a bien besoin. Et tu vas tirer sur, honnêtement, l'anonyme à la limite. Ah, toi, on est... toi, ça sert pas à grand chose que je te fasse quoi que ce soit. Oui, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Tire sur l'anonyme. Je sens très mal là. S'ils font péter la bonbonne explosive, on va tous prendre très cher. Je couvre les flancs. Neutralisation. Ouch. Esquiver, c'est déjà ça. Toi, tu veux t'enfuir, ok. Ce qui est pas plus mal. Virgile. Donc là, je n'arriverai pas à le buter. Toi, je sais pas combien de points de vie je veux t'enlever, mais écoute, on va tirer dessus quand même. T'es pas mort, malheureusement. Ah, j'aurais dû faire des dégâts neureux. Ça, c'est... ok, on a esquivé, putain, on est doué. Tu peux te capturer, toi? Ça serait rigolo, ça. Vas-y. Va me capturer, ça. Toi, tu vas m'attraper celui-ci avant qu'il s'en aille. Maintenant, on va se concentrer sur le berserker. Mets-toi un bouclier. Fais une charge sur lui. Je vais retenter le coup. Il va faire des cols. Il va faire plus de dégâts, on sait. Eux, ils vont se casser, je pense. Je couvre la zone. Reste plus que toi. Fait. On va faire ça. Ça va faire des dégâts aux deux. Tourdi. Ça va trouver de jouer. J'ai envie de le buter avant qu'il s'en aille. Couvrez-moi. Bute-moi. Ouais, ça va pas suffire. On va quand même le faire. Relâchement. Ouais. Vous
devriez. Ah, toi tu restes là. On va faire une autre frappe chargée sur toi. Ah, on les capture tous là, donc c'est cool. Bref, c'est que lui il va s'enfuir. Ouais, dommage. Ah, ou pas. Il s'enfuit pas, excellente nouvelle. Écoute. Vas-y, hein. Ouais, ça me bat, ça. On s'est tous fait blesser. Pardon, on s'est tous fait endommager, mais blessure légère. Excellent, ok, si tu me dis. C'est vrai que j'ai quand même réussi à capturer 8 ennemis. Mais bon. Bon, une mission difficile ou très difficile, je l'ai pas trouvé vraiment difficile. Hein. Plusieurs fois, les ennemis m'ont attaqué, je pensais que j'allais mourir one shot, mais c'était pas vraiment le cas. Récompense de la mission, ok, moins d'agitation. Ok, cool. T'as combattu pendant l'invasion, pas vrai? Dans un centre urbain? Tu vas de l'envoyer, elle. Ça m'impressionne que t'aies survécu. Utilitaire plus 1. Ça pour un compliment. Vas-y. Non, c'est la réalité. Le taux de mortalité était très élevé à Paris. Je m'en souviens. Tu devrais y aller. Très bien. Ok. On est toujours là. Distance technique. Très difficile. Très difficile, parfait. Ok. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là pour XCOM Chimera Squad. Et pour ce petit stream improvisé. On a pu avancer, c'est cool. Je voulais un petit peu avancer mon run dans le jeu, chose que j'ai pu faire. Comme d'habitude, hein, je vous remercie d'être passé sur ce petit stream. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve au plus tard dimanche pour le stream habituel. Dans lequel je présenterai, j'espère présenter au moins un nouveau jeu. J'en ai des nouveaux jeux, j'essaie juste de sélectionner des nouveaux jeux qui ont l'air pas mal. Parce que je reçois de ces clés parfois qui sont un peu bizarres. Enfin bref, on se retrouve au plus tard dimanche. Ou peut-être avant si jamais l'envie me prend de faire un stream sauvage. Voilà, bonne soirée tout le monde. Ciao.